Assigné de son père, fictif de la Bruni, c'est le fictif de Raquel Pontadour et Cérès de la Bruni, présenté par Jacques Condillac. On retrouve là sa grande famille, celle qui descend de Allée Bruni, dont on a parlé à plusieurs reprises déjà depuis le début de ce concours. La mère Cérès de la Bruni, versée classique, sœur de ténor de la Bruni. Lui est un grand vainqueur classique en plat, mais aussi en obstacle. Hein, il y a deux fois en obstacle, ça c'est très important de le signaler. Et Cérès de la Bruni est déjà maire de Duc de la Bruni à Kergès-des-Landes, lauréat du Critérium des Landes. Elle a cœur de 50 000 euros de gains. Il y a des jolis gains. Va marcher, s'il vous plaît. Des jolis gains en Anglo-Arabie. Donc c'est Jacques et Jacques qui nous présentent cette Fidji de la Bruni qui est née le 26 avril et qui porte 41,12% de sang arabe. Puis on peut revenir, Jacques, si tu veux bien. Alors maintenant, on va aller au trot. Alors, on n'a pas besoin de rappeler à Jacques et Jacques qui ont vraiment l'habitude, eux, de présenter des chevaux dans des concours, qu'il faut bien, voilà, comme ça, exactement, bien libérer l'animal de façon à ce qu'il puisse s'exprimer dans toute son amplitude. Fidji de la Bruni porte donc le numéro 25.